Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 sur Napoléon Total War. La dernière fois on avait pris Gaza et Jaffa en Palestine. On avait pris aussi la dernière ville de l'Égypte. Et donc là on va se concentrer sur les objectifs de victoire. Je rappelle que pour gagner la campagne il faut prendre la région de la Galilée et celle de Damas. Voilà. On a encore pas mal de temps devant nous, a priori. Tour prochain, on va attaquer Jérusalem. Espions recrutés. Espions. Non, un gentilhomme, pardon. Ah, j'ai un gentilhomme ici, j'avais pas vu. Travailleurs en grève. Ah, c'est bon. Mission en cours, capturer la ville d'Acre. Bah, honnêtement, la Acre, ils ont pas d'armée quasiment, c'est pas une menace, alors que ici ils ont une armée. Avancée technologique. Ah, c'est bien ça. Ça va plutôt vite. Université classique. Je regarde les missions secondaires. Capturer Chypre. Mater les Bédouins. Enrayer la progression des Ottomans. Acre. Je sais pas, il y a un bug. Il y a un bug audio. Mon PC en ce moment il me fait des. Il fait des siennes. Je vais sauvegarder. On va attaquer. Bug audio sur ce jeu. Italie pendant un épisode, ça me l'avait fait une fois. Bref, alors. L'artillerie, comme d'habitude, on va la mettre en position de tir. Ah, j'ai pris des auxiliaires avec moi, j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas grave. Cavalerie attend les ordres, monsieur. Ah, mon artillerie est quand même assez expérimentée. Hein. Et en effet, ils nous tirent dessus. On va tirer sur leur artillerie, hein, priorité. Ah, ils sont trop loin. Mais je crois qu'ils peuvent tirer quand même, même si c'est hors de portée, c'est juste mon précis. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Ma cavalerie. Ça sert pas à grand chose. Je vais l'envoyer là-bas, peut-être qu'on pourra attaquer l'artillerie. Hein. Quoi qu'ils ont une unité de cavalerie en défense, ça va peut-être pas être possible. Le but c'est qu'ils ne meurent pas non plus. A priori, ils ont quand même quelques pertes. Ah non, ils ont eu deux pertes, ça. Pourtant, leur morale est mauvaise. On va les charger dans le dos, tu vois. Tant qu'à faire. Oh, ils ont volé le pot.
Bon, plutôt, il vaut mieux charger parce qu'ils vont nous tirer dessus quoi qu'il arrive. Il nous reste combien de cavaliers? 41. Les auxiliaires palestiniens. Ils n'ont pas vraiment résisté à la charge. On va se replier. Pourquoi ils veulent pas se replier? Avantage quand même. Ce qui est bien avec Napoléon Total War, c'est qu'on peut jouer en ultra aisément sans problème. Il est quand même beau pour l'époque. On va attaquer l'artillerie. Sans plus attendre. J'aurais pas demandé d'attaquer une unité en particulier. Pourquoi ils se sont mis en formation comme ça? Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un. Oh, la cavalerie. Oh, les pertes incroyables qu'ils ont subies. Bon, c'est sûr que la cavalerie là. Bon, on l'a sacrifié, c'est pas grave. Tant pis. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Je vais le ramener par là. Ils sont un peu indisciplinés, hein. Après, je crois qu'il n'y a pas de mode garde, il me semble, sur ce Total War, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire qu'il faut les micro-gérer à chaque fois qu'on leur demande de tirer sur l'unité. Ah, j'aime bien quand ils tirent de manière coordonnée comme ça. C'est beaucoup plus efficace. Je me lasserai jamais des animations quand même. Entre la fumée, les tirs. De se mettre un peu dans le soldat et de voir les soldats ennemis tomber de loin.
Ils sont en fuite. J'ai bien remarqué que les chasseurs, ils ont des petites plumes jaunes sur la tête. C'est quoi comme unité? J'ai le choix à voir. Le curseur est sur l'unité française. Il y a Nizam et Sedit. Okay. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Est-ce que c'est une milice ou quelque chose comme ça? Des fusées de ligne. Il résiste quand même, hein. Précision quand même, c'est pas trop ça. On voit les tirs qui partent en haut, en bas, un peu partout en fait. C'est un peu un tir de ratissage. Bon, je vais envoyer à l'infanterie leur tirer dessus, je pense. On n'a pas fini sinon. Rapide. L'artillerie, est-ce qu'ils peuvent tirer sur eux ou pas? C'est hors de portée, mais avec un peu de chance, on devrait tomber sur la cible. Un carré puisqu'apparemment ils veulent nous attaquer avec la cavalerie. Bah, écoutez, très bien. Sauf que nous les gars, on a une formation que vous n'avez pas, c'est le carré. Waouh. On appelle ça le suicide assisté. Voilà. Eux, ils sont en train de fuir. Par contre, eux, ils sont toujours en train de résister. Bon, allez, on les fait courir, qu'on en finisse.
Donc ça, c'est censé être Jérusalem. Par contre, niveau ville, il y a moins d'efforts qui est fait que sur les autres Total War. Finir la bataille. Au moins, sur certains Total War, dans des villes emblématiques comme Rome, ou je sais pas, Jérusalem, ils reproduisent au moins un des monuments historiques de la ville. Alors, on a perdu 400 soldats. Eux, par contre, ils ont perdu tous leurs soldats. C'est parfait, ça. Alors... Ah mince, en fait je suis parti avec la milice, je m'en rends compte maintenant. Bon du coup je vais en recruter ici, pardon. J'arrive plus à parler. Je vais en recruter également là. Je pense qu'on a plus le temps. C'est parti. Ah merde. J'ai pris la milice avec moi. C'est vrai que je suis pas sur Rome 2 Total War ou sur Attila Total War. Ok, bon, l'ordre public a été stabilisé, ça c'est bien. Mon espion, où est-ce qu'il est ? Il est là. Que voulez-vous ? Il y a une armée ottomane, ici. Monsieur ? Je pense que le mieux... c'est de les attaquer directement. Est-ce qu'on peut recruter des soldats autre que de la milice ici ? Non, pas du tout. Pour ça, il faudrait peut-être construire... Ah, mais on n'a pas de caserne en fait. Ah oui, il y avait des bédouins, je crois, par là. Ah ça va, il n'y a qu'une unité. On va recruter des munitions dans cette ville. Froid facile. Force et honneur. Immédiatement. Marchez. Bon, on va avoir des pertes, ça c'est obligé. Dans le désert là. Je pense que c'est suffisant pour défendre la ville contre des bédouins. J'ai envoyé cette armée en renfort en Palestine. Là ici il me semble que j'ai des unités aussi. J'ai de l'artillerie. J'ai envoyé ces unités en renfort. Ça peut servir. Peut-être garder quelques unités quand même dans le coin au cas où il y a des Anglais qui débarquent, on sait jamais. Ils sont fourbes les Anglais, faut pas l'oublier. Et on va recruter encore un peu d'auxiliaires. Ah, l'IA sur Napoléon est un peu moins... elle prend beaucoup moins de risques que sur Shogun 2. Sur Shogun 2, ils auraient été capables de d'attaquer une de mes villes les plus faibles, au risque d'en perdre une derrière. Alors, bref, avec cette armée-là, on va essayer de prendre les Bédouins, la ville des Bédouins. Bon, on va devoir subir des pertes d'attrition. Ah ouais, d'accord, ils ont une armée ici dans le désert. Ah. Bah, raison de plus, j'ai envie de dire. Alors, cette armée.
attaquer Acre. Ils sont faits. Ils ont des auxiliaires de la population armée, des Nazam, un peu de chameaux et de l'artillerie. Ils ont pas mal d'artillerie cette fois-ci. Ça m'a l'air d'être un fort, non? On dirait bien. Ah oui, c'est un fort. Ah, j'aime bien les batailles d'attaque. Quand on attaque des forts, je trouve ça cool. Ça change un peu des villes de ce jeu qui sont un peu l'ennuba. On peut dire ça comme ça. Bref. Alors. Ah, apparemment, il y a des survivants dans le régiment de cavalerie. Bah, tant mieux. J'ai envoyé ma cavalerie attaquer leur artillerie d'ailleurs. Ah, ils ont des canons sur les murs. Ah, ok. C'est pas mal ça. J'espère qu'ils vont laisser un maximum d'unités sur les murs. Ça m'arrangerait beaucoup. Ah, j'ai pas vu, ils ont des cavaleries à côté. Mince. Bon, tant pis, j'aurais essayé. Je crois que j'ai réussi à les faire évacuer. Allez, 83%, c'est le moment les gars. Ah, ils ont raté la cible. Pas les boulets. Nickel. Pas attaquer ce côté. Pas mal de pertes, c'est ça qui est bien. Je crois que leur artillerie est trop loin pour nous tirer dessus. Je vais mettre en avance rapide. Non, j'ai rien dit. Après, je crois qu'il y a une dune qui nous couvre un peu. Ah, l'IA est pas trop bête, elle a déplacé ses unités à l'extérieur. Parce que sur Rome 2, souvent, ils laissent leurs unités sur les murs. En soi, c'est pas bête d'avoir placé l'artillerie ici, puisque quand on va attaquer sur les coins, ils vont nous tirer dessus.
où est-ce qu'ils en sont ici. Après, peut-être que je devrais pas m'attarder de trop. Parce que la pendule elle tourne. En attendant, bon bah, si ça atteint 0, on a perdu quoi. Je vais faire bouger mes troupes. Stop au tir. Ici on peut tirer. C'est juste le temps que les unités elles passent, qu'elles soient pas devant. Parce que bon, voilà, on connaît hein, tir allié. Et ces unités là, je vais peut-être les déplacer un petit peu. Par là. Lancez des ordres. Waouh. Oh, la traînée de soldats. Plutôt par là. Je pense que je vais envoyer mes chasseurs attaquer l'unité d'artillerie. Monsieur ? Monsieur ? Est-ce que je peux les mettre en ligne comme ça ? Oh, il y a vraiment une petite ouverture. On peut escalader les murs. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Je sais pas si on perd des soldats comme sur Shogun 2 quand on escalade. Mince, faut faire attention avec l'ennemi. Ah, c'est bête de ma part, j'ai pas fait attention. Je t'ai distrait ailleurs. Guerrier à deux chameaux. Bon, ça va. On va attaquer l'artillerie maintenant. Les grenadiers sont vraiment cool. Je vais les charger avec une unité, je pense. Avec la mitraille, je pense qu'on va avoir des pertes. On va éviter.
Les portes sont à nous. Ah, parfait. A priori, on n'a pas de perte en montant les murs. On aura un point de tir depuis le mur, ce serait bien. On est par ici, là. On va aller monter sur ce mur-là. Normalement, sur ces murs, on devrait avoir un point de tir assez avantageux. Je vais avancer un peu ses troupes. Quoi ici? C'est étrange ce qui se passe. Tire dessus à bout portant. On est par là. Oh, le carnage, j'ai pas fait attention. On voit comment il se passe. Population armée, on peut rien faire face aux grenadiers. Bon, du coup, mon artillerie ne servit à rien. Ça va. Je vais les placer comme ça là, on va les prendre en tenaille. On va utiliser les grenades. Ah, ils ont de la portée quand même les chasseurs. Lancer des grenades. Je vais mettre du temps. Voilà. Ah, ça sert à rien. Ces soldats par ici. Hein. Ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. Donc stop au tir, ceux-là, nos troupes, ils sont sur le mur. Le combat de mêlée totale. C'est le sabre contre la baïonnette. Juste là, ils sont bientôt faits comme des rats. Ah, les grenadiers, ils ont subi comme de lourdes pertes.
Saint-Léger. Je vais mettre les fantassins par là. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Vous avez bien taffé, les mecs. Je vais vous ménager un peu pour cette bataille là. Combien dans le régime? 46. Ils ont perdu une vingtaine de soldats. Oui, c'est ça, tu es le général. Lancez des ordres. Formez carré. Malheureusement pour eux, on a des trucs posté également sur le mur. Voilà, les avons tués. Nous avons tué leur général, monsieur. Parfait. Nous allons les briser, c'est sûr. Il nous reste une unité de cavalerie et une unité, deux unités de, comment ça s'appelle, d'artillerie. Il ne devrait pas tarder à fuir, je pense. On va mettre le jeu en avance rapide. Ils sont en train de tirer sur leur propre mur. C'est marrant. Mince, je donnais un mauvais ordre. Ah, ça serait bête que je perde mon artillerie à la fin de la bataille. Voilà, c'est bon. Ben, je pense que je vais arrêter l'épisode là-dessus. On a pris Jérusalem, c'est plutôt cool ça. On n'a pas eu beaucoup de pertes, encore une fois. 273. Et leur armée était anéantie. Enrayer la progression des Ottomans. Nous avons réussi, messieurs. Acre est sous nos mains. Parfait. Occupation pacifique. Oui, donc là on avait une armée dans le désert, on va essayer de prendre cette ville, si possible. Oui, monsieur. Marchez. Oh, il est renfort. Du coup, il nous reste quoi comme ville à capturer là? Il nous reste celle-là. Hein. Sinon on a rempli cet objectif, donc il manquera plus qu'une victoire, et donc ce sera la victoire pour Damas. Le Rif d'Imashk, donc c'est Damas. Alors, il va nous falloir quelques miliciens, je pense. On va les envoyer par là. En attente de vos ordres. Je vais recruter des miliciens supplémentaires. Prêt à recevoir vos ordres. À votre service. Ni vu. Je sais pas en combien de tours on pourrait y être. Ils ont une armée. Une armée complète. On pourrait prendre cette ville-là. Mais bref, je ferai tout ça au prochain épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine. Pour ce qui sera sans doute le dernier épisode de la série sur la campagne d'Égypte. Donc en attendant, à la prochaine les amis. Salut !